Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eye. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Bien sûr, s'ils nous amènent un ou deux martiens, la radiodiffusion se fera un plaisir de vous les faire entendre au micro. Neuvième épisode, Ufologie, Dimension, Autre. Avec dans les rôles principaux, Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Cette espèce d'aller-retour entre la fiction et la réalité, on va le retrouver de façon perpétuelle. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Ce sont des questions qui sont très éloignées du travail scientifique lui-même. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Le témoignage humain n'est pas toujours fiable, on le sait. Et tous les ufologues qui ont participé à cette série. Le phénomène n'est pas nouveau. Il doit y avoir une explication. J'ai dû rencontrer à peu près 600 à l'enlever. Il y a quelque chose de réel. Les choses qui sont dans le ciel et qu'on n'explique pas, ça va pas du tout, du tout. C'est un phénomène qui existe depuis des milliers d'années. Ils sont repartis et les pièces sont restées là. Les ufologues savent que les ovnis sont des extraterrestres qui viennent ici à bord de soucoupes volantes. Inexpliqué, est-ce que ça signifie inexplicable? Nous ne savons toujours pas ce que c'est. Le dernier épisode de notre voyage dans l'histoire des soucoupes volantes et des ovnis est particulier. Cette fois, pas de témoignages ou d'observations extraordinaires. Nous allons plutôt donner la parole à ceux qui étudient les objets volants non identifiés, les ufologues. Et nous allons essayer de comprendre ce qui les anime dans cette quête inaccessible de la vérité sur les ovnis. Commençons avec le plus célèbre et le plus important de tous les ufologues, le professeur Hynek. Je pense qu'il faut maintenant regarder vers le futur pour se fixer de nouveaux objectifs. Napoléon a dit « Ne regardez pas vers le passé, vous n'y trouverez pas d'avenir ». Maintenant, notre plus grand objectif est bien entendu de trouver la solution à l'énigme du phénomène OVNI. Mais vous le savez, nous devons faire face à de grandes difficultés que nous n'arriverons pas toujours à surmonter. La méthode scientifique est efficace quand vous contrôlez ce que vous étudiez. Mais ici, on a affaire à un phénomène qui se joue de nous, comme les ovnis. Alors peut-être que le jeu est plus approprié que la science pour l'étudier. Mais j'ai foi en la science et j'ai foi dans l'esprit humain. Nous ne devons pas abandonner l'approche scientifique. Voilà comment, en 1977, le professeur Joseph Allen Hynek a clôturé le congrès international consacré au futur de l'étude des ovnis. Hynek est une figure marquante de l'ufologie américaine et mondiale. Astronome, sceptique envers les soucoupes volantes dans un premier temps, il deviendra petit à petit convaincu de la réalité du phénomène OVNI. Comme scientifique, il est convaincu aussi que seule la science pourra permettre une étude sérieuse des objets volants non identifiés. Mais l'ufologie n'est pas une science, et elle ne pourra sans doute jamais l'être. Aucun parmi nous n'a de spécialisation particulière pour appréhender ce phénomène OVNI. Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS. Et on se demande d'ailleurs quelle est la discipline dans les sciences qui serait la mieux placée pour le faire. C'est une grande question aussi. Parce que l'ufologie n'est pas une science. L'ufologie n'est absolument pas une science. Pour nous, c'est un passe-temps, c'est un hobby qu'on a poussé très loin, c'est un intérêt. Parce que c'est un domaine qui nous ouvre à énormément de choses, à énormément d'autres disciplines. On est tous mus par une grande curiosité, je crois. On ne peut pas proprement parler de science. Eddy Loucher, historien, spécialiste des ovnis du passé. On peut parler, je pense, d'une discipline dont l'objet n'est pas scientifique, puisque les ovnis
Personne n'a jamais démontré leur existence depuis pratiquement plus de 70 ans. Nous n'avons toujours pas de morceaux d'OVNI, nous n'avons pas de cadavres d'extraterrestres. Et donc, ça pose un problème en science, puisque la science étudie des choses qui sont observables et qui sont surtout reproductibles. Or, dans le cas des OVNI, malheureusement, nous n'avons rien. Nous avons juste des témoignages humains, un certain nombre de documents, quelques traces radar occasionnelles. Alors, l'objet n'étant déjà a priori pas directement intéressant pour les sciences pures et dures, puisqu'il n'est pas directement observable, on ne peut pas véritablement parler de travail scientifique. Ça ne rentre pas dans le protocole de la science. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. La science exige un personnel formé, un personnel diplômé. Or là, il n'y a aucun diplôme en ufologie, donc ça reste dans la frange, comme on dit. Et puis on le sait, la science rejette ce phénomène parce que le phénomène ne répond pas au protocole qu'elle exige, c'est-à-dire que il est imprédictible et il n'est pas reproductible. À partir de là, les ovnis fronde les dogmes de la science et la science en est marie. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui joue entre l'ufologie et la science, qui est une espèce de patte deux qui, je vais le dire très simplement, il n'y aura jamais de résolution à ça. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. C'est simple et c'est net, pour une raison très simple, c'est que l'ufologie travaille sur des expériences qui ne sont pas réitérables, qui ne sont pas contrôlables. Ce sont des expériences qui arrivent in situ, à un moment où on ne calcule pas, je sais bien qu'il y en a qui ont essayé de trouver des espèces de récurrences, etc. Mais enfin, la plupart des gens s'accordent quand même à dire, y compris chez les ufologues, que tout ça est très aléatoire. C'est difficile, mais rappelons-nous qu'il y a deux problèmes dans l'ufologie. D'abord, elle est beaucoup faite par des gens qui veulent y croire. Et il faut vouloir y croire un petit peu, parce que, l'air de rien, on met quand même en cause son sérieux, sa respectabilité. Quand on s'engage en ufologie, il faut savoir que c'est qu'on a quand même des convictions chevillées au corps. Parce que sinon, aller se faire ridiculiser par la presse, par les scientifiques, par les sceptiques, par le grand public... Je veux dire, à moins d'être fondamentalement masochiste, c'est vraiment qu'on a des convictions. Alors le problème, c'est quand on a des convictions, c'est que si ces convictions basculent du côté de la croyance et qu'on est tenté de démontrer ce qu'on pense savoir à l'avance, bah là, oui, il y a un problème de scientificité, mais je dirais qu'il est presque intrinsèque à la discipline. En plus, la deuxième chose, et ça c'est un vrai problème de l'ufologie, la malédiction de l'ufologie qui fait que malgré son logos qui lui est accolé, c'est pas vraiment un discours rationnel, ça peut pas l'être pour la simple et bonne raison qu'on parle d'expériences qui sont arrivées à des gens mais qui ne sont pas reproductibles. Si j'ai vu un truc bizarre dans le ciel, ben je peux le raconter, mais on peut pas faire une expérience scientifique dessus, on peut pas faire de test. Alors, sauf sur les traces au sol. Effectivement, c'est pour ça qu'elles sont très valorisées. Mais en dehors de ça, si je rencontre là, en sortant de ce studio, un extraterrestre qui me serre la pince, même si moi je le vois, même s'il est devant moi, même s'il m'a serré la main, ben, je pourrais pas le prouver. Ou alors il faut vraiment que je prenne un extrait, mais enfin c'est sale. Et puis ça, voilà. Il ne faut pas être trop dur avec l'ufologie, parce que l'ufologie, elle travaille avec une matière qui ne cesse de se dérober. Le malentendu entre science et OVNI est présent dès l'été 47, à l'époque où les États-Unis connaissent une première grande vague d'observations d'objets volants non identifiés. Mais ni les médias, et encore moins les scientifiques, ne prennent le phénomène au sérieux. C'est dès le début, en fait, hein, que on va dire, le milieu scientifique, les chercheurs vont rejeter... tout ce qui est témoignage OVNI ou de soucoupe volante, parce que pour eux, ça ne peut pas exister. Oui, dès le début. Egon Kragel, spécialiste des OVNI, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Puis il y a les opposés. On a des gradés de l'Air Force qui vont dire, moi de toute façon, même si un OVNI se pose dans mon jardin, je tournerai le dos. Cette phrase est magnifique, elle est aggravée sur le marbre des avancées scientifiques. Mais c'est aussi le problème de la science qui a fait des pas et des bonds magnifiques et qui nous a permis d'obtenir des progrès, et on les en remercie, mais qui aussi est rentrée souvent dans un dogmatisme assez radical et refusant tout ce qui ne correspond pas à leur attente. Et c'est dommage. Et les ovnis, hélas, en font partie. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. La science... est dominé par les physiciens. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Les physiciens viennent de permettre de gagner la guerre en construisant la bombe atomique.
La bombe atomique, on ne la construit pas avec des témoignages. On la construit avec des laboratoires de big science, de physique lourde, qui mobilisent des chercheurs ultra spécialisés dans des domaines de la physique atomique, nucléaire et la physique des énergies. Et c'est des domaines qui sont très éloignés du témoignage humain. En 4 siècles, depuis le XVIIe siècle, les sciences se sont constituées comme un domaine ultra professionnalisé qui s'est coupé peu à peu du grand public. Et donc, pour les scientifiques à l'époque, des gens qui rapportent avoir vu des phénomènes dans le ciel, c'est pas comme ça que les scientifiques travaillent, en fait. C'est pas comme ça qu'ils imaginent travailler. Ils n'attendent pas que les gens leur signalent des trucs à étudier. Ils étudient des phénomènes dans leur laboratoire, avec des instruments de plus en plus spécialisés, de plus en plus coûteux, qui exigent des années d'études. Donc, quand quelqu'un vient leur dire « j'ai vu ça, est-ce que vous pourriez vous y intéresser ?» c'est tellement éloigné de leur travail quotidien qu'ils n'y prêtent même pas attention. Pour eux, il n'y a pas de phénomène OVNI parce qu'il n'y a pas d'OVNI. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Ou, c'est une autre manière aussi de voir les choses, il y a des scientifiques et très talentueux, hein, des gens qui ont un parcours et un CV impressionnant, donc ça n'a absolument rien à voir avec leur qualité professionnelle et leur expertise, mais simplement c'est une conviction très profonde qui s'apparente pour certains véritablement à une croyance. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. C'est pas possible parce qu'ils ont acquis cette conviction, ou c'est pas possible parce qu'on leur a dit que c'était pas possible. Parce que leurs aînés leur ont dit que c'était pas possible. Leur ont donné l'exemple que ça ne tenait pas la route. Avec des exemples datant d'une génération d'avant. Et ils vont reproduire ce même schéma. Ça existe, des gens comme ça. Ce n'est pas possible. C'est le credo. Je rebondis exactement sur ce que vous dites. Ce n'est pas possible. Alors c'est vrai qu'on parlait du triangle de 20 mètres de long, de 2-3 mètres d'épaisseur, qui ressemble plus à quelque chose de massif de fer à repasser, qui fait du vol stationnaire sans bruit, qui éclaire comme en plein jour. Ce n'est pas possible. On a un problème. On est là face à un problème. Ce n'est pas possible, comme si je vous disais qu'un ours blanc allait rentrer dans le studio maintenant. Mmh. C'est aussi impossible. Donc vous voyez, quelque part, on peut les comprendre. On peut les comprendre, bien sûr. Pour quasiment tous les scientifiques, les ovnis n'existent pas. Eddy Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Ce n'est pas intéressant à étudier et ce n'est pas un sujet d'étude. Il y a quelques exceptions qui existent. Mais pour la plupart des tenants des sciences pures et dures, on veut bien admettre que des extraterrestres existent sur une planète très lointaine, mais qu'ils puissent venir jusqu'à nous, ça, c'est encore autre chose. Finalement, je dirais que c'est encore un autre avatar, mais de l'anthropocentrisme. Au début, on pensait que la Terre était unique, que le phénomène de la vie était unique. Les biologistes sont ceux qui sont probablement les plus sceptiques vis-à-vis de la vie extraterrestre, puisqu'ils disent qu'il a fallu de telles coïncidences et l'émergence de la vie est un phénomène tellement complexe que c'est pratiquement impossible que ça soit reproduit ailleurs. Les astronomes, eux, qui contemplent le champ infini des étoiles et maintenant des systèmes solaires, sont beaucoup plus prudents et disent non, il y a de fortes probabilités que la vie extraterrestre existe ailleurs. Mais on rabat toujours l'anthropomorphisme, on dit oui, vie extraterrestre, mais est-ce une vie intelligente ? On n'ose même pas évoquer qu'elle serait beaucoup plus intelligente que la nôtre. Et surtout, est-ce qu'elle aurait les capacités de venir jusqu'à chez nous ? Non, ça ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est finalement toujours les barrières de l'anthropocentrisme qui sont encore là, malgré les ouvertures formidables de la science. Il y a quand même encore des limites à la conception qu'elle peut avoir d'une vie extraterrestre. Cette attitude des scientifiques envers les objets volants non identifiés n'a finalement pas tellement changé depuis 70 ans. Qu'à cela ne tienne, puisque les milieux académiques ne prêtent aucune attention aux ovnis, pire, les décrédibilisent systématiquement, des civils vont commencer à s'intéresser au phénomène dans les années 50. C'est l'apparition des premiers ufologues. La question des ufologues, c'est une question complexe. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Au moment où on signale les premières observations de soucoupes volantes, il y a un débat public, mais il n'y a pas d'ufologues. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il existe déjà aux États-Unis des groupes qui s'intéressent à divers types de questions, notamment tous les sujets qui sont liés à l'occultisme, aux phénomènes bizarres. Et il y a notamment une population, c'est des petits groupes,
qu'on trouve aux États-Unis qui s'intéresse à des phénomènes qu'on qualifie de fortéens. C'est lié à un auteur qui s'appelle Charles Fort, qui a publié au début, dans les années 20-30, 4 livres qui sont des collections de phénomènes bizarres, et notamment de phénomènes aériens. Et donc Charles Fort va en fait, avec ses livres, il va susciter un courant d'intérêt pour les phénomènes bizarres, et les disciples de Fort, en 47, vont être parmi les premiers qui vont réagir à l'émergence des soucoupes volantes. Ils vont se mettre à collectionner les coupures de presse, et ils vont constituer les premiers pré-ufologues, on va dire, proto-ufologues. Mais l'ufologie proprement dite, c'est un phénomène qui va naître au début des années 50, lorsque, au début de la polémique entre les réponses faites par l'armée et ce qui en est restitué donc, dans la sphère publique, un certain nombre de citoyens vont se dire on va enquêter nous-mêmes sur ces sujets. Alors certains s'intéressent à l'occulte avant, certains connaissent Charles Fort, et puis certains viennent de nulle part. Et le phénomène émerge vers 51-52. On voit des amateurs qui commencent à s'organiser en groupes privés, en sociétés d'amateurs, avec cette idée d'enquêter. Ils vont commencer à publier des bulletins. Et donc les premiers ufologues, on ne parle pas d'ufologues à l'époque, puisque le terme UFO n'existe pas lui-même, mais on appelle ça des soucoupistes, des saucerians en anglais. C'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a différentes origines. Il y en a qui sont des lecteurs de science-fiction, donc ils s'intéressent aux phénomènes étranges, parce qu'ils lisent de la science-fiction, ils s'intéressent aux énigmes scientifiques. D'autres s'intéressent aux phénomènes occultes, donc là ils partent dans d'autres registres d'explication, on pourrait dire. Les gens qui sont les plus proches des ufologues, je dirais, ce sont ces fortéens qui s'intéressent aux phénomènes bizarres qui surviennent, parce qu'ils ont lu ces livres qui sont devenus cultes dans tout un petit milieu, dans tout un tas de petits réseaux, ces ouvrages publiés par Charles Fort entre les années 20 et les années 30. Ufologue, hein, le nom est tout à fait révélateur. Eddy Loucher, historien, spécialiste des ovnis du passé. C'est le grec, hein, le logain et ufo l'ovni, un unidentified flying object. Donc c'est toute personne qui s'intéresse aux ovnis. Mais dans cette définition extrêmement vague, vous avez un panel absolument très étendu de compétences, de personnes. Donc vous avez des gens qui sont totalement dans les théories du complot, qui sont persuadés que les extraterrestres ont déjà débarqué sur Terre, et d'autres personnes beaucoup plus critiques. Le panel est très large. La première fois où je me suis intéressé, je suis allé dans un rendez-vous d'ufologue. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Et là, j'ai passé 3 heures dans l'ailleurs absolu, dans un truc complètement génial, délirant et fou, où j'ai vu des gens qui sont succédés à la tribune, et il y en a qui parlaient de conspiration d'extraterrestres qui voulaient conquérir le monde, il y en a d'autres qui avaient des analyses de cas très 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 rationnel, genre moi, il s'est passé ça, bon, on voit qu'il y a dû avoir une entrée atmosphérique comme ça, etc. Et voilà. Et ces gens se succédaient, s'applaudissaient les uns les autres, avaient l'air de trouver intéressant ce qu'ils se disaient, alors que moi, qui étais un petit peu extérieur à ça, je me disais, mais... Enfin, je veux dire, si on croit au premier qui a parlé, on peut pas croire au deuxième, et le troisième, ça a strictement rien à voir. Eh ben, dans la sphère de l'ufologie, il y a un truc qui est assez dingue, et je trouve fascinant, c'est qu'on peut penser des choses contradictoires. On attend peut-être aussi. Jean-Marc Ouattecamp, professeur de sciences et ufologue. Il y a toutes sortes d'ufologues. En fonction de leurs convictions, il y en a certaines qui attendent, qui sont convaincus qu'il s'agit d'une visite extraterrestre et donc ils vont recevoir plus volontiers des récits qui vont renforcer leurs convictions. Et ils vont peut-être être moins attentifs à la dimension de l'enquête. Et donc, ils vont se laisser plus facilement tromper. Puis, il y a des témoins qui sont très doués pour raconter des histoires et tenir le coup, quoi, hein. On ne peut pas être à l'abri de ce genre de choses. On ne peut pas être certain que ce qu'on nous raconte est nécessairement la vérité. «
Est-ce que vous vous considérez comme un ufologue ? Oui. Et c'est quoi pour vous un ufologue ? Il n'y a pas de définition officielle. Donc tout le monde peut se prétendre ufologue. C'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport au phénomène OVNI, qui ne se contente pas de se poser des questions, mais qui effectue une série de vérifications qui sont à sa portée en allant collecter des témoignages. J'intègre cette dimension-là à l'étude du phénomène OVNI parce que c'est absolument indispensable d'être en contact avec la matière qui est le témoin et qui ensuite essaye de rassembler ça de façon d'abord systématique, cohérente dans une base de données par exemple et qui essaye d'en faire des analyses, donc de présenter dans un premier temps de façon descriptive mais de façon globale. Et puis qui essaye de trouver des hypothèses, de générer des hypothèses pour expliquer ce qui est observé. Mmh. Voilà, ça c'est un ufologue. C'est pas un amateur. Ça exige une méthode, ça exige de la rigueur, ça exige de l'humilité. C'est pas le gars qui va faire son blog et qui va simplement faire des copier-coller, et puis qui va faire un ou l'autre commentaire en disant « Waouh, c'est terrible », ou bien « Les autorités ne font rien ». Ça, c'est pas un ufologue. Ça, c'est un passionné, peut-être, un intéressé, peut-être, mais c'est pas un ufologue. Souvent, en ufologie, on a changé les termes, parce que les termes deviennent connotés. Donc, soucoupe, soucoupiste, c'est devenu péjoratif. On a changé ça, on parle d'ovni, en français, ou d'UFO, en anglais. Maintenant, OVNI ou UFO, c'est devenu véhicule extraterrestre. Mmh. C'est devenu péjoratif. Et donc, ceux qui disent qu'ils font de la science, ou qui veulent faire de la science, ou qui veulent étudier le phénomène de façon sérieuse, maintenant on parle de PAN. Les PAN. Phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et donc, on va changer la terminologie. Mais je trouve ça un peu... Bon, c'est du cosmétique. Même si, effectivement, dans PAN, il y a autre chose que du cosmétique, puisqu'on parle de phénomène là. Et là, on peut entendre des choses matérielles ou des choses immatérielles. Mais moi, je n'ai pas peur de garder le terme ufologue qui est là, pour autant qu'on le comprenne bien dans la façon dont je l'ai dit. Donc, quelqu'un qui vraiment se pose des questions, fait une recherche au contact des témoins. L'ufologie m'a intéressé à partir du moment où je me suis dit... ça m'est accessible, c'est-à-dire je peux rencontrer directement des gens qui disent avoir vu des choses qui paraissent extraordinaires. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. À l'époque, je ne pouvais pas aller aux États-Unis, je ne pouvais pas aller en Amazonie, je ne pouvais pas aller dans tous ces pays où on décrivait des observations ou des aventures tout à fait extraordinaires, des témoignages tout à fait hors du commun. Ce n'était pas à ma portée. D'autres là-bas l'ont fait. C'était chez eux, et ils l'ont fait petit à petit. Ça a donné lieu à des livres, des études, des documentaires, etc. Tout ce matériel est accessible. Je m'y suis jamais vraiment plongé. La connaissance que j'en ai, elle est superficielle. Je connais pas mal de choses, mais c'est un peu superficiel. J'ai jamais étudié ça à fond, parce que l'accès n'est pas possible. Ici, ça se passait chez nous. Je peux prendre ma voiture. J'avais la possibilité à l'époque de le faire. Je l'ai fait, et je me suis beaucoup investi là-dedans, parce que c'était proche. J'étais immédiatement confronté aux témoins. Je pouvais aller sur les lieux de l'observation, je pouvais discuter avec lui, je pouvais apprendre à mieux le connaître. Il y a des personnes que j'ai appris à bien connaître, qui m'ont invité chez elles, j'ai rencontré leur famille. Ça donne une idée très différente aussi. Je pense que c'est une expérience importante. C'est autre chose que de lire une histoire qui est tout à fait extraordinaire dans un bouquin, même si toutes les garanties de sérieux sont données. C'est autre chose de pouvoir approcher les témoins et les côtoyer, et les côtoyer longuement. Je suis un grand amateur de musique, et c'est la même différence lorsque vous écoutez un morceau de musique, une pièce de musique que vous adorez, vous écoutez le CD, vous l'écoutez sur votre tablette ou peu importe, ça vous enthousiasme, ça vous transporte. Mais si vous allez au concert, vous êtes au premier rang, que vous voyez l'interprète, vous voyez l'orchestre, il y a une dimension qui est tout autre. Eh bien, ce niveau d'échelle, on le retrouve un peu dans cette démarche-là. Rencontrer des témoins, les côtoyer, apprendre à les connaître, c'est à mon sens quelque chose de très important. «
La place du témoin est centrale dans l'étude des ovnis. C'est par les témoins finalement qu'on a une connaissance du phénomène. Mais malheureusement, un témoignage, aussi sincère et précis soit-il, ne constituera jamais une preuve définitive de l'existence d'objets volants non identifiés. Le témoignage humain n'est pas toujours fiable, on le sait. Et cependant, le témoignage humain réussit en justice à faire condamner des gens, par exemple. C'est un exemple qui est toujours cité. Donc, on ne peut pas dire que le témoignage humain est négligeable. On doit en tenir compte. Il ne suffit pas dans tous les cas, bien sûr, ce n'est qu'un élément. Ici, malheureusement, nous n'avons aucune preuve matérielle de quoi que ce soit. Nous n'avons que le témoignage humain. Nous n'avons que des faisceaux qui, par moments, nous semblent se recouper. Et là, lorsque une série de témoignages semble corroborer quelque chose et se recouper, on a la sensation qu'on tient quelque chose d'un petit peu plus consistant, à partir duquel on peut déjà élaborer une idée ou un scénario, même s'il est approximatif. Et malheureusement, en ufologie, le témoignage, c'est l'entrée. C'est peut-être la seule entrée. À l'heure actuelle, je pense que personne ne détient une preuve matérielle qu'il pourrait s'agir d'autre chose, de quelque chose qui viendrait d'ailleurs ou quelque chose qui ne serait pas de notre technologie. À ma connaissance, je n'en connais pas. Certains le prétendent, mais bon, là on peut discuter très longuement. Mais donc, la grande entrée en ufologie, l'entrée numéro un, ce sont les témoignages. On doit se baser là-dessus. Alors, il y a différents types de témoins aussi. Vous savez, il faut bien aussi comprendre une chose. Jean-Claude Bourret, grand reporter et passionné d'OVNI. C'est que quand vous êtes un occupant de la planète Terre, quand vous êtes un terrien, que vous avez un métier quelconque, que vous soyez mécanicien automobile, que vous soyez journaliste, que vous soyez gendarme, que vous soyez agriculteur, et que vous êtes confronté à ça, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, le moins du monde dans votre sphère de connaissances et de préoccupations. Ça m'a toujours frappé. Je reçois encore aujourd'hui des témoignages bouleversants de gens qui ont dit « Écoutez, j'en ai jamais parlé, mais à vous, je peux le dire. Voilà ce que j'ai vu quand j'avais 15 ans, quand j'avais 22 ans. J'étais avec ma mère, j'étais avec mon père. On n'en a jamais parlé. Voilà ce que j'ai vu. » Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une constante dans le phénomène. La première constante, c'est que ce phénomène se manifeste tout au long de notre histoire. Et la deuxième constante, c'est que ce qui est décrit par les témoins tourne toujours autour de la même chose, c'est-à-dire quelque chose de lumineux ou pas de lumineux d'ailleurs, qui est dans le ciel, qui se balade à des vitesses incroyables, faisant des angles droits, des accélérations, des disparitions soudaines, avec des êtres qui sont à l'intérieur de ces engins et qui ressemblent à des êtres vivants parce qu'ils ont une tête, deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles, deux bras et deux jambes. Mais en même temps, on voit très bien tout de suite, quand on les observe, qui ne viennent pas de la planète Terre. Il y a une autre constante aussi dans toute l'histoire de l'ufologie. Les canulars, les photos d'ovnis truquées, les faux crashs de soucoupes, les enlèvements extraterrestres parfois inventés de toutes pièces, les supercheries, les affabulateurs et les faux témoins. Ça a fait beaucoup de tort, ça, quand même, à l'ufologie, non? Les histoires un peu bidons comme ça, ou les canulars, ça n'attire pas le sérieux du monde académique, on va dire. Bah, de la même façon que les rebouteux bidons font tort à la médecine. Mais vous avez toujours des mécaniciens véreux, vous avez toujours des journalistes bidons, vous avez toujours des spécialistes ou de pseudo-spécialistes des ovnis qui racontent n'importe quoi pour se rendre intéressant ou parce qu'ils ont besoin d'y croire. C'est à nous, avec notre rationalité, de faire le tri. Est-ce que, selon vous, vous qui connaissez un peu des gens, on va dire un peu partout, ces canulars... Est-ce qu'on peut suivre certains ufologues qui disent qu'il s'agit souvent de désinformation de la part ? Ah oui, on peut les suivre. Parce que j'ai deux ou trois exemples qui m'ont été donnés où pour cacher une observation d'OVNI tout à fait réelle, on a créé des observations d'OVNI bidons pour dire ensuite, voyez, c'est bidon. Donc si les deux dernières sont bidons, la troisième dont vous parlez, et les bidons également, on n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec ces conneries. Donc oui, ça, tout à fait. Vous avez des exemples concrets ? Oui, j'ai des exemples concrets, mais que je ne peux pas donner, sinon je dévoilerai mes sources. Ah, d'accord. Oui, mais c'est de bonne guerre, si vous voulez. Ça fait partie du debunking, c'est-à-dire ça fait partie de ce qui sert aux autorités à décrédibiliser le dossier des ovnis
pour dire aux gens qui n'ont pas le temps de faire des enquêtes approfondies, vous voyez bien que tout ça c'est ridicule, c'est bidon, tout ça n'existe pas. Ça évite de répondre aux vraies questions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intelligent venu d'ailleurs qui nous rend visite et qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Pour Jean-Claude Bourret, l'hypothèse extraterrestre est la seule valable. C'est une des premières hypothèses ufologiques pour tenter d'expliquer les apparitions d'objets volants non identifiés. Une hypothèse défendue encore aujourd'hui par de nombreux ufologues. Des visiteurs d'outre-espace viennent nous visiter à bord d'engins matériels. Mais au fil des ans, les atterrissages puis les enlèvements extraterrestres sont devenus beaucoup trop nombreux. Cela supposerait que des dizaines, des centaines de races aliens venues de dizaines et de centaines de planètes différentes viendraient sur Terre presque 24 heures sur 24. L'hypothèse extraterrestre premier degré a du mal à rencontrer une certaine logique, il faut bien l'avouer. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ufologie s'est divisée en différents courants. Bon, je simplifie l'histoire. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Je dirais qu'il y a deux courants, en fait. Le premier courant qu'on appelle tolé-boulon, c'est-à-dire que une grande partie des ufologues au début étaient convaincus que c'était des objets venus d'outre-espace, hein, peuplés d'entités extraterrestres, donc des vrais vaisseaux, hein, en tolé-boulon, qui avaient laissé des traces justement à Balansol, qui ont laissé des traces à Socorro, à Trans-en-Provence, il y a des traces physiques sur le sol. Donc ça, pour eux, ils sont certains que c'est un objet matériel. Hein. Et puis Kenneth Arnold disant que ça reflétait la lumière. C'était métallique, voilà. Donc on a du métal. C'est quelque chose de très terrien, de très voilà. Il y a quelque chose. Ça c'est la première grande hypothèse qui court toujours. Tous les boulons, c'est toujours lieu encore aujourd'hui. Hein. Il y a des ufologues qui défendent ça bec et ongles. Et puis dès les années 70, il va y avoir un autre courant qui va lentement croître comme ça, d'ouvrage en ouvrage. On va parler plus d'un métasystème, en fait, de quelque chose qui serait peut-être même terrestre, qui ne serait pas extraterrestre, mais qui manipulerait, en fait, notre inconscient, qui serait peut-être à l'origine de nos religions, quelque chose qui viendrait plonger dans notre banque de données, hein, notre inconscient, pour paraître crédible. Donc ça devient psychosociologique, ça peut être lié aussi au folklore ancien, c'est-à-dire petits êtres de la nature, parce qu'il y a des tas d'histoires où des gens rencontraient des petits êtres étranges qui leur donner à manger, qui essayaient de les enlever, etc. Donc il y a eu un raccourci aussi par rapport à tout ça. En gros, il y a une première théorie qui est très matérielle, très pragmatique comme ça, et une seconde qui serait peut-être plus psychosociologique. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a des tas de branches. Il y a des ramifications extrêmement complexes parce que certains sont d'accord après un ouvrage fondateur de Carl Jung, ce serait simplement une projection de notre inconscient collectif, mais d'autres pensent que non, c'est plus un métasystème qui nous manipulerait. Enfin, bon, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Il faudrait vraiment faire un jour dresser un arbre, hein, généalogique de cette ufologie et puis en définir chaque ramure, mais c'est assez complexe. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés sont une réalité. Dominique Filol, réalisateur du documentaire OVNI, affaire d'État. Après, je trouve ça bien qu'on ait mis ce mot phénomène à la place de objet, parce qu'il semble qu'il y ait des objets, mais il n'y a pas que des objets, il y a des choses qui ont l'air un peu plus évanescentes et immatérielles. Maintenant, associer ces objets forcément à l'existence d'une vie extraterrestre me paraît être une explication un peu simpliste. Je ne l'exclus absolument pas, c'est l'une des hypothèses que je privilégie aujourd'hui, mais je n'ai absolument aucune certitude. Je suis simplement réalisateur, je ne suis pas ufologue, je ne suis pas scientifique, donc je peux juste constater qu'il y a des hypothèses diverses et variées quant à la provenance de ces engins. Certains parlent même d'objets qui pourraient venir de dimensions parallèles, donc en fait que ces objets seraient plutôt nos voisins plutôt que de lointains extraterrestres qui nous surveilleraient. Il y a eu, sur les parois des grottes
venu jusqu'à nous il y a 30 000, 40 000 ans, ce qui est rien à l'histoire de l'univers. L'univers a près de 14 milliards d'années. Donc vous imaginez bien, 40 000 ans, c'est rien du tout. Mais on voit qu'il y a des choses qui ont marqué nos ancêtres. Jean-Claude Bourret, grand reporter et passionné d'OVNI. Et il les dessine. Des êtres qui émettent des rayons et qui volent. Parce qu'on sait très bien, depuis toujours, qu'il y a quelque chose de sérieux. Quand on gratte vraiment les dossiers, qu'on les étudie de façon rationnelle, on voit bien que c'est inexplicable, que c'est intelligent et que ça vient d'ailleurs. Mais pour l'opinion publique qui se balade entre le sport, le déconfinement, le virus, les déclarations politiques, les histoires de scandales, la circulation, la pollution, l'écologie, tout ça s'est mélangé et il n'y a pas de niveau de hiérarchie. Alors que le plus important, c'est de savoir pourquoi ils sont là, depuis combien de temps, est-ce qu'ils vivent dans notre même espace-temps, qu'est-ce qu'ils nous veulent, et est-ce qu'ils ont déjà influencé le fonctionnement de notre société. La science va de plus en plus dans ce sens d'admettre qu'il y aurait des dimensions parallèles. Hein. Dominique Filol, réalisateur du documentaire OVNI, Affaires d'État. Je le rappelle juste, il y a encore quelques jours, il y a Courrier International qui a relayé les découvertes scientifiques qui étaient en train de se poser la question de savoir s'ils n'avaient pas trouvé la preuve d'une dimension parallèle en observant le comportement de neutrinos. Donc, il y a plusieurs explications. Moi, il y a une explication aussi que j'aime bien sur l'origine de ces objets, c'est celle des humains du futur. Imaginons que donc, dans le futur, nous ayons trouvé le moyen de voyager dans le temps et que donc, ces objets viendraient du futur, peut-être pour faire une sorte de tourisme ou d'empêcher de potentielles catastrophes, peut-être pour changer le cours de l'histoire, je ne sais pas. Mais ça expliquerait pourquoi ils ne rentreraient pas directement en contact avec nous. Je parle d'un contact massif. Ça pourrait expliquer ça. En tout cas, je pense qu'il ne faut exclure absolument aucune hypothèse sur l'origine de ces phénomènes. Et c'était un sujet, bien entendu, pour la science, mais pour l'humanité. À chaque époque de notre société, on essaye, avec les moyens techniques et scientifiques du moment, d'appréhender un dossier qui, par définition, nous échappe, puisque c'est ou cette civilisation qui nous visite à des centaines d'années, des milliers, peut-être des millions d'années d'avance par rapport à nous. Je ne suis pas du tout un fanatique des ovnis. Si quelqu'un m'explique que tout ce que je viens de dire est faux pour telle et telle et telle raison, et si ces arguments sont recevables, je dirais, bah écoute, ça fait 50 ans que je me trompe, bravo, merci, tu m'as remis dans le droit chemin de la réalité, et les ovnis n'existent pas. Mais c'est pas du tout le cas. Plus le temps passe, plus les événements me donnent raison. Il n'est pas toujours facile pour les ufologues d'arriver à se positionner dans un courant ufologique ou l'autre, sans compter que les convictions peuvent évoluer, se renforcer ou parfois disparaître. Ma position épistémologique de départ, elle évolue tout le temps. Jean-Marc Ouattecamp, professeur de sciences et ufologue. Je dis volontiers que j'ai pas de position, mais si je fais vraiment une introspection, je crois que j'ai une position. Et je crois que ma position, c'est qu'on est face à un phénomène qui est une émanation. Mais bon, c'est presque de la science-fiction que je vais raconter. Et je suis totalement incapable de le prouver. Mais si je ne le formule pas, je ne suis pas honnête non plus. Je pense que c'est l'émanation d'une espèce d'inconscient collectif ou de conscience collective qui, mais par le truchement alors d'éléments de type paranormaux, peut avoir des effets matériels. Cet inconscient collectif matérialiserait ou pourrait matérialiser un certain nombre de choses qui expliqueraient les traces physiques, quoi. Et que cet inconscient collectif essaye de nous communiquer quelque chose, de nous dire quelque chose. Et ça expliquerait sa permanence et les formes différentes qu'il prend depuis la nuit des temps. Avant, on parlait des esprits de la forêt, des esprits des animaux qui se manifestaient, puis on a parlé des petits êtres, des sorcières, etc., les phénomènes religieux avec la Vierge, et maintenant une forme moderne associée à notre époque, les soucoupes volantes, leur évolution, et éventuellement des formes différentes en fonction des cultures.
On est bien loin des histoires de petits humanoïdes ou de crash à Roswell. Petit à petit, tout un pan de l'ufologie va développer une conception des ovnis beaucoup plus intellectualisée, philosophique même, de l'existence d'une forme d'intelligence qui nous échappera toujours, car nous, les humains, nous n'avons pas les connaissances suffisantes pour pouvoir l'appréhender. On passe de l'hypothèse extraterrestre de premier niveau à une hypothèse extraterrestre de deuxième niveau, où on propose que ce n'est pas nécessairement des visiteurs, mais éventuellement des dispositifs qui sont laissés par des visiteurs pour nous fournir des images, des schémas, des projections ou bien des sondes qui expliqueraient la permanence et la diversité. Et donc là derrière, il faut qu'on puisse proposer un système d'explication globale, alors d'intentionnalité de ça. Il y a une vocation d'éducation, ou d'information, ou de préparation à un contact. Tout à fait comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le film mythique de Stanley Kubrick réalisé en collaboration avec l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke. Qu'on le veuille ou non, la science-fiction et l'ufologie sont intimement liées. Depuis toujours, l'une précède l'autre et vice-versa. Par exemple, les grands ufologues écrivent aussi des aventures de science-fiction. Donald Keough, célèbre ufologue américain, avant d'écrire son livre « Les soucoupes volantes existent », racontait des histoires de voyages dans l'espace et de rencontres extraterrestres dans les pulp, magazines populaires américains. Jimmy Guilleux, premier ufologue français, est l'auteur du livre culte « Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde », mais aussi de dizaines et de dizaines de romans de SF dans lesquels il développe ses théories conspirationnistes à l'échelle cosmique. Kevin Randall, un des enquêteurs les plus importants de l'affaire Roswell, est également un écrivain. Ses fictions traitent de la conspiration alien. Enfin, il ne faut pas négliger l'influence que pourront avoir sur l'imaginaire collectif les premiers films hollywoodiens des années 50 consacrés aux soucoupes volantes, comme Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise. On m'a dit que vous parliez notre langue. Vous devez venir de très loin. D'environ 400 millions de vos kilomètres. Nous sommes infiniment curieux de savoir d'où vous venez. Nous venons d'une autre planète. Nous sommes des voisins. Il nous est difficile de considérer les gens d'une autre planète comme des voisins. J'ai bien peur que dans l'état actuel des choses, vous soyez contraint de vous y habituer. L'état actuel des choses? Je veux parler du but de ma visite. Voulez-vous nous en dire quelques mots? Pas maintenant, bien sûr, pas à vous seul. Ce n'est pas un problème personnel. Cela concerne tous les peuples de votre planète. L'esprit humain marche comme une espèce de machine qu'on encode en quelque sorte. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Si je vois quelque chose de bizarre dans le ciel, je ne vais pas ne pas pouvoir penser aux extraterrestres. Ce sera forcément dans un coin de ma tête. Je veux dire, tout ça a été encodé par plus de 60 ans d'imaginaire, de films, d'anecdotes qui passent aussi bien effectivement à travers le cinéma qu'à travers les faits divers, tout un tas de canaux comme ça. Mais effectivement, oui, on peut en aucun cas on peut imaginer qu'à partir de 1951 où paraissent les premiers films, les gens ont un esprit vierge. Et il faut vraiment le garder en tête. Et cette espèce d'aller-retour entre la fiction et la réalité, on va le retrouver de façon perpétuelle. Chez les gens, il y a toujours une espèce de flottement. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de choses vraies? Est-ce qu'on parle de choses inspiré de choses vraies. Ce rapport entre science-fiction et ufologie pourrait en partie expliquer pourquoi, en grande majorité, les témoins d'atterrissage voient des occupants de soucoupes qui nous ressemblent. En effet, ce sont presque toujours des humanoïdes. Celui qui fera le plus peur, c'est quelqu'un qui est humanoïde. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est un monstre. Et si c'est un monstre, on est dans une autre dimension. Si on a une grosse araignée venue de l'espace, on est dans une grosse araignée venue de l'espace, on est dans un monstre. Il faut le tuer, il faut s'en débarrasser. C'est beaucoup plus pernicieux et perfide quand on a vraiment quelque chose qui nous parle d'intelligence extraterrestre. Et si on nous parle d'intelligence extraterrestre, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a un ego surdimensionné, pour nous c'est forcément des bipèdes avec une tête, de préférence grosse parce qu'ils sont plus intelligents, donc ils ont une grosse tête symboliquement. Et puis il y a aussi le fait qu'on puise, quand on prend le petit extraterrestre à grosse tête, on puise dans l'imaginaire du lutin maléfique, du Nibelung, dans un imaginaire qui est très, 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 très ancien, très vieux. Et ça va activer comme ça, plus ou moins consciemment d'ailleurs, hein, mais ça va activer un certain nombre de choses.
humanoïde et très ancien. Sur vêtements doit servir d'enveloppe électronique et mécanique pour remplacer leur chair et leurs muscles atrophiés. Il faut que je porte ça à un labo. Au-delà de leur attirance pour la science-fiction, on peut trouver une autre constante chez les ufologues, chez tous ceux qui s'intéressent aux ovnis, la passion. En effet, plus les ufologues étudient les objets volants non identifiés, plus l'énigme se renforce et plus le phénomène leur échappe. C'est comme s'il ne devait jamais y avoir de fin mot à cette histoire d'ovnis. Pourtant, aucun ufologue ne regrette son engagement. Mon papa était colonel dans l'armée. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le chaudron bouillonnant des ovnis. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Mon papa avait l'habitude d'organiser le dimanche des dîners avec des amis pilotes, qui étaient des pilotes souvent civils et militaires. Et puis ça discutait, voilà, autour de la table. Et les amis de mon père, pilotes, parlaient à ce moment-là d'un phénomène qu'on appelait les soucoupes volantes ou les ovnis, c'est-à-dire que certains avaient été témoins d'observations absolument incroyables. Je me souviens d'un ami de mon papa qui avait vu un objet en forme de soucoupe plat, métallique, qui avait tourné autour de l'aile de son avion, et il ne s'en était jamais remis. Alors, ils en parlaient entre eux, ils n'en parlaient pas de façon vraiment officielle, en tout cas, ils en discutaient entre eux, et pour moi, pour l'enfant que j'étais, c'était un ailleurs magnifique, c'était une porte ouverte, voilà, sur un autre monde. Et ça me faisait vraiment rêver. Lorsqu'on parle au fond d'OVNI, on parle que de soi. Moi, je pense que c'est une rencontre avec soi aussi, l'ufologie. C'est-à-dire que quand on plonge dans l'océan OVNI, quand on traverse les grandes plaines OVNI, le pays OVNI, en fait, d'abord, il va falloir se renseigner sur des tas de choses. Il faut se documenter en théologie, en physique, en chimie, en physique quantique, en astronomie. Et lentement, on commence à cerner notre histoire. On se penche aussi, justement, sur notre véritable histoire, sur les siècles passés. Et je crois que ça nous offre un grand panorama de ce que nous sommes, de notre histoire, de notre évolution, de nos attentes. Il ne faut pas oublier aussi que ça touche quelque chose d'extrêmement sensible qui est la croyance ou la spiritualité. On est passé du ciel d'antan à l'espace actuel, on est passé des anges, des dieux d'antan aux extraterrestres d'aujourd'hui. Donc il y a toujours un lien comme ça qui n'est pas ténu, c'est un lien très solide au fond, qui ne parle que de nous, qui ne parle que de notre histoire sur cette planète. Est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu déçu à la fin et de ne pas pouvoir arriver à donner une solution ? Ce qui m'intéresse, c'est le chemin. Jean-Marc Wattecamp, professeur de sciences et ufologue. Si je continue, c'est parce que je continue à apprendre. Je suis enseignant, mais je suis aussi apprenant. Mmh. Et c'est la position d'ailleurs que les enseignants doivent tenir en général, c'est celle d'accompagner dans les apprentissages. Et donc, ils apprennent aussi en faisant. Et donc, c'est ça qui me motive, moi. C'est j'apprends tous les jours. Avec le phénomène, j'apprends tous les jours. Je me suis lancé dans les big data. J'avais jamais touché ça, par exemple. Donc j'apprends énormément en essayant de mettre de l'ordre dans ces données. Et donc, tant que j'apprends, je continue. Est-ce qu'il y aura une fin ? Peut-être qu'il y aura une fin. Peut-être qu'il y aura une information qui va surgir et qui va éclairer... je ne sais pas si ça va éclairer l'entièreté du phénomène. Ça peut peut-être n'éclairer que... la vague belge ou les éléments de la vague belge. Mais je pense qu'il y aura une fin à un moment donné. On va savoir le fin mot de l'histoire, mais ça va encore prendre très longtemps parce que c'est très complexe. Oui, on peut espérer trouver une solution. Je ne peux pas parler à la place des autres, mais moi, ce qui me motive, c'est le chemin. C'est le fait que j'apprends tous les jours. Mais vraiment, beaucoup de choses. Les ovnis existent-ils vraiment ? Nous n'avons pas la réponse, mais au fond, ce n'est pas le plus important. Souvenez-vous, ce qui compte, c'est le raisonnement, pas la réponse. Les ovnis, qu'ils soient déjà là ou pas,
auraient au moins le pouvoir de nous faire réfléchir. Et selon ceux qui les étudient depuis longtemps, ils peuvent nous apporter quelque chose de plus important encore, l'humilité. C'est l'événement le plus formidable de notre époque. Obviously, this was a solid object and I believe it was from outer space. Je cherche à savoir. Ma soucoupe est partie à la verticale. Ah, nous rêvions tant de connaître d'autres mondes. Ce qui m'intéresse dans l'histoire des ovnis, enfin une des nombreuses choses qui m'intéressent dans cette histoire, c'est le fait que les ufologues imaginent ce phénomène comme étant un phénomène doté d'intention qui pourrait être donc lié à la manifestation d'une intelligence extraterrestre. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que notre société s'est construite depuis le XVIIe siècle sur cette idée que d'abord notre civilisation s'est arrachée à la nature et ensuite que nous la dominons. Et donc, nous concevons les autres êtres vivants comme des animaux et nous nous sommes distingués de ces animaux. Nous composerions une société, une culture, et à côté de ça, il y aurait la nature. Ça, c'est une invention du XVIIe siècle. Ce qui est intéressant depuis quelques décennies, c'est qu'au même moment où le débat sur les extraterrestres prenait de l'ampleur, c'est-à-dire cette idée que nous ne serions pas les êtres dominants, en fait, dans cette partie de l'univers, mais qu'il y aurait des civilisations beaucoup plus évoluées que la nôtre, il y a également un deuxième débat qui a commencé à naître, c'est le débat sur les cultures et les sociétés animales. Et aujourd'hui, on est bien obligé, avec la crise écologique, de comprendre que, en fait, nous ne vivons pas dans une société qui s'opposerait à une nature, mais ce qu'on appelle la nature, c'est un ensemble de sociétés, c'est un ensemble de cultures. Je trouve qu'il y a une symétrie très intéressante qui se construit entre, d'un côté, l'évolution du langage sur nos rapports avec la nature, où de plus en plus on se conçoit comme étant une partie de la nature, et donc on conçoit la nature comme un ensemble de cultures avec lesquelles on doit établir des relations totalement différentes des relations que nous avons aujourd'hui, qui sont des relations de domination, d'extermination, de massacre souvent. Et cette idée, d'un autre côté, il y aurait au-delà de l'humain d'autres types de civilisations dans l'espace qui pourraient être beaucoup plus anciennes que la nôtre et qui pourraient avoir par rapport à nous le type de relation que nous avons par rapport aux animaux. Et je trouve que tout ça, ça introduit une espèce de symétrie très intéressante sur ces sujets et ça me semble participer, au moins au niveau d'un certain imaginaire, mais peut-être au-delà, ça participe à cette évolution des mentalités sur la manière dont nous concevons notre rapport avec le reste du vivant. De ce point de vue-là, ce n'est pas un débat négatif, je pense. C'est quelque chose qui apporte quelque chose dans la mesure où ça nous permet de relativiser notre position d'homme occidental qui s'est construit jusqu'ici sur la domination et souvent l'extermination des autres êtres avec lesquels on partage cette planète. Votre choix est simple, vivre en paix ou poursuivre votre action néfaste.